Said. Bonsoir. Éric Lebourlou, le rédacteur en chef donc de Zeronet.com. Salut Éric, qui est fan aussi hein, du HTC Vive. Tu vas nous expliquer pourquoi ce truc-là t'a complètement traumatisé, parce que depuis trois jours, tu nous en parles. Traumatisé, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est assez convaincu. Et puis, il y a Pierre Fontaine, qui est en train de tester le système. Salut Pierre. Il est déjà dans le bain. Ça va ? Il est déjà dans la matrice, on peut le dire. Hein. Pierre est avec nous, mais n'est pas avec nous, visiblement. Complètement, alors, je sais pas où je suis, d'ailleurs. On va faire ce live vraiment en freestyle, c'est-à-dire vous montrer véritablement toutes les étapes de ce HTC Vive qu'on a reçu, Eric, vendredi dernier. Oui. Voilà. On était tout fébrile quand on a reçu la boîte. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo de déballage, en fait. Voilà, une énorme boîte avec plein de câbles, une valise, carrément, plein de trucs à l'intérieur, etc. C'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce que c'est que ce système, en Alors fait attends, peut-être juste avant, François, la traditionnelle question zéro net. Oui, bien sûr. Que nous allons essayer de vous montrer tout de suite, n'est-ce pas? Une question, bien sûr, sur la réalité virtuelle. Sur la réalité virtuelle, pensez-vous, bon c'est très simple, pensez-vous acheter prochainement un casque de réalité virtuelle? Donnez-nous votre avis, vous allez sur www.zeronet.com et vous votez oui ou non, et on fera le point tout à l'heure comme d'habitude. Voilà, chose importante aussi, nous sommes en direct, donc vous pouvez poser toutes vos questions à Eric, à David ou à Pierre qui est en train de faire je sais pas quoi là. Il est en train de casser de l'alien, j'ai l'impression. Hein, des petits robots volants, ouais. Donc hashtag 01 live. Moi j'ai un peu mieux à faire du coup. Hein. Et puis la question 01net. Orange qui vous attend donc sur la page de 01. C'est assez génial quand même, il faut le dire, ce plateau qu'on a mis en place, que Jean-David Duarte et Pierre Thiollet ont mis en place, puisque vous allez voir à la fois les participants habituels des 01 Live, plus le journaliste, et on va tourner, on va tous essayer ce soir. Ah oui, on va tous faire la démo du HTC Vive. Et puis bien sûr les images, enfin une partie des images que l'on perçoit lorsqu'on a le masque, sauf que évidemment vous les voyez en 2D, vous n'êtes pas immergé dans le truc. On est d'accord. Bon, alors on va commencer quand même peut-être par le début de cette histoire, ce HTC Vive. Ça fait un moment qu'on le teste, hein, à la Paris Games Week, même avant tu l'avais testé, rappelle-toi, il y a plus d'un an, c'était au Mobawar Congress, c'était le tout début. La première fois qu'il a été dévoilé en fait, exactement. On avait eu la chance de l'essayer. On était tout fébrile. Et là, ça y est, il est disponible. Il est disponible, oui. C'est vrai que c'est surprenant. C'est un produit surprenant déjà parce que c'est HTC. Hein. HTC, on ne s'attendait pas forcément à voir HTC lancer un casque de réalité virtuelle. Et c'est un produit surprenant aussi parce que c'est HTC, mais c'est aussi Valve. Et Valve, pour tous les gamers qui nous regardent, ils connaissent bien, hein, c'est Steam. Valve, c'est un gros nom du jeu vidéo PC. Donc c'est le casque pour les gamers PC qui bénéficie du saut de Valve. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Les grincements, les couinements de Pierre Fontaine. Il est mort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la réalité virtuelle, avant l'annonce de ce produit, effectivement au Mobile Congress, il y a quand même deux ans maintenant, ça n'existait que par le biais de casques type Gear VR de Samsung par exemple, et du fameux Oculus Rift qui sort aussi en même temps, hein, il faut le dire, qui va bientôt arriver aussi, mais qui n'est pas aussi, on va dire, intéressant à l'heure actuelle que celui-là. Et Oculus Rift, ne va pas aussi loin, on va dire, que ce casque-là. Et c'est pour ça qu'il est assez exceptionnel. C'est parce qu'il il apporte des fonctions que les autres casques de réalité virtuelle n'ont pas, en fait. Oui. Alors, on va rentrer justement sur les différences entre l'Oculus Rift. Alors, est-ce qu'on peut le mettre aussi en frontal avec le Gear VR, par exemple, ou alors le PlayStation VR qui va sortir dans quelques mois, ouais. Hein, c'est toute la question, parce que finalement, c'est la même expérience, mais pas de la même qualité. En gros, c'est ça. Exactement. Hein, moi, je le comparerais, par rapport au Gear VR, c'est le jour et la nuit. Ouais. Ouais. On va y revenir, mais j'imagine, mais... Il y a gadget, on va dire, et c'est pas craché sur Samsung en disant que c'est du gadget, parce que c'est pas le même prix. Hein. Voilà, le masque coûte 99€. Hein. Voilà, on est d'accord. Alors que celui-là, on est d'accord, c'est le plus cher, 900€. C'est le plus cher, c'est très cher. Sans le PC, on va parler d'ailleurs tout à l'heure de la config qui est nécessaire. Mais d'abord, si on rentrait vraiment dans le dur, en parlant un petit peu de l'installation, comment est-ce qu'on installe un système comme ça chez soi? Alors, on l'a fait plusieurs fois, on l'a réinstallé. Alors, quand vous ouvrez la boîte, déjà, vous êtes un peu submergé par tout le matériel que vous avez devant vous, parce qu'il y a non seulement le casque, mais il y a beaucoup de câbles, puisque ce PC, cet appareil est relié en HDMI via un petit boîtier à l'ordinateur. Il y a aussi, quand vous ouvrez la boîte, deux sondes que l'on doit placer sur des murs, ou en tout cas à hauteur, qui vont en fait faire le tracking. Voilà, ce sont ces petites boîtes. Voilà, carrément. On voit là actuellement à l'image. Qui doivent être en fait... On dirait des petites enceintes se rendent. Exactement, voilà. Donc, en fait, c'est quoi ça, placer à 2 mètres.
Ça, ce sont les deux sondes, les deux boîtiers qui vous permettent de vous repérer, qui vont permettre de repérer non seulement le casque, mais aussi les manettes dans l'espace virtuel que vous allez générer quand vous allez configurer le Vive. D'accord. Donc en fait, elles sont indispensables au fonctionnement de l'appareil. Il y a des choses qui, des petits capteurs, enfin c'est pas des capteurs, mais des émetteurs plutôt sur le masque lui-même. Voilà, en gros, si vous voulez, ces deux sondes permettent de repérer la position du masque dans l'espace. Mm-hmm. Et donc la position du joueur, ainsi que la position de ces manettes dont on va parler, qui sont assez exceptionnelles. Manie ça avec une dextérité. Ouais, mais en fait, on s'y fait très vite, et c'est ça qui est assez génial avec, ouais. Avec ce masque. C'est l'ergonomie. C'est extrêmement bien fichu d'un point de vue ergonomique. Ouais. Mais donc, en fait, voilà, vous avez donc ces deux sondes, vous avez un masque qui est quand même assez imposant, vous avez pas mal de câbles, un long câble, parce que le masque est quand même relié par câble à l'ordinateur, ça faut le savoir. C'est pas sans fil, il faut un gros câble. Ah non, ça c'est carrément pas sans fil. Hein. Et voilà, donc tout ce matériel, il faut le brancher, puis le configurer. Alors c'est pas très compliqué à faire. C'est un peu long, parfois un peu long. On va dire que ça prend un quart d'heure. Peut-être que Pierre tout à l'heure va nous montrer un peu l'interface hein, quand on manipule vraiment ouais. Sur le PC. Pour... Salut mon Pierre, bonjour. Bonjour, bienvenue dans le monde réel. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que quand on a ce masque, on perd complètement le sens de ce qui se passe véritablement. Ouais, ouais. Et on fait n'importe quoi, on est un peu ridicule quand même. Hein. Ça, vous l'avez remarqué. C'est-à-dire que là, on brasse de l'air, on danse, on fait des chorégraphies un peu bizarres. C'est vrai que dès qu'on voilà. Regarde quelqu'un qui est en train de jouer, on se dit ouais, mais quand on est dedans, ça ouais. Pareil. C'est-à-dire que c'est pas idéalement le profil Tinder qu'il faut mettre en ligne. Quoi. C'est ça en gros, hein, pour résumer la situation. Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, pour la configuration, là, vous voyez, on a fait un espace. Faut faire de la place, hein, faut faire un peu de place chez vous. Ça peut marcher aussi sur des espaces confinés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un salon gigantesque pour faire fonctionner le masque. Alors, ce qu'on va faire pendant tout ce live, c'est que, on va tous tester. On va tous y passer. On va tous nous dire. Vous dire un petit peu notre ressenti, parce que il y a quelque chose d'assez perso, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent jouer pendant des dizaines de minutes, ne vont rien ressentir, et puis on a d'autres qui, au bout d'un moment, peuvent avoir peut-être un peu des sensations de nausées, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas innocent, ça procure des effets très particuliers. On a pas mal de questions sur ce sujet, je vous rappelle qu'on est en direct, hashtag 01live sur Twitter, vous pouvez poser vos questions à Eric, à Pierre, à David, concernant le HTC Vive qu'on vous fait découvrir en direct ce soir. Voilà, et là, donc, on parle donc de l'installation d'un tel système. Donc finalement, c'est pas quand même très compliqué. Peut-être un peu une montagne au début. Oui, c'est pas très compliqué, c'est juste un peu un petit peu long. Enfin, juste on peut pas installer ça dans un salon, quoi. Il faut une pièce dédiée. Non, pas forcément. On peut l'installer dans son salon. Tu vois ta femme te laisser installer ces trucs-là. La surface minimale. Ça, c'est un autre problème. C'est le WAF. Il faut pas avoir de femme. Il y a deux façons de configurer. Il y a soit Pierre. On joue assis ou debout avec très peu d'espace. Donc là, on définit une linéaire minimale. Ouais. Soit si on veut jouer en se déplaçant, c'est l'option qui est recommandée pour le Vive, il faut 2 mètres sur 1,50 m. Donc c'est pas si grand. 2 mètres sur 1,50 m. Ouais, on n'a pas besoin d'une cathédrale quoi, pour pouvoir jouer. Alors, bien sachant qu'il ne faut pas que la diagonale de la surface de jeu soit plus de 5 mètres parce qu'après les bornes captent moins bien et donc c'est un peu moins précis dans la restitution des mouvements de mais idéalement c'est d'avoir enfin si on a les moyens de s'aménager un coin si on a un coin gamer dans sa maison évidemment c'est idéal, c'est évident. Mais à ton avis, c'est installable dans un salon c'est facile à installer. Oui. Le seul problème, effectivement, c'est que vous ayez l'espace et une prise de courant pour brancher ces deux capteurs qui sont indispensables. Avec les fils disgracieux. Parce ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de configuration Wi-Fi, Bluetooth ou quoi que ce soit pour les bornes. On les branche au secteur et après, à partir du moment où elles sont en face l'une de l'autre, elles communiquent entre elles, c'est réglé. D'accord. Et c'est vrai que pour le coup, on n'a pas à se prendre le crâne, à rentrer un code ou quoi que ce soit, à appairer, ce qui pourrait être un cauchemar. Lucien qui nous dit sur Twitter, est-ce qu'on peut venir tester le casque? Pas tout de suite, Lucien. Pourquoi pas, on va peut-être pouvoir imaginer des trucs. Là, mais là, pour l'instant, on est un peu égoïste. On teste, nous, parce que ça fait des mois qu'on l'attend. Et puis peut-être qu'après, on pourra vous faire tester. Mais ce soir, on vous dit tout. Et on va vous dire notamment comment trouver des jeux. Où est-ce qu'on va chercher les jeux ensuite? Pierre. En fait, comme le disait Eric tout à l'heure, si j'ai bien entendu, effectivement, c'est Valve et HTC qui ont développé ça. Donc Valve a une plateforme géniale pour les jeux Steam. On va pas aller chercher ailleurs. Hein. Ils ont juste créé une rubrique Steam VR, tous les jeux dédiés à ça. Alors pour l'instant, qui sont réservés au Vive ou qui pourront fonctionner par exemple avec l'Oculus qui sont avec la technologie OpenVR. Donc il suffit qu'un autre casque, alors pas Oculus, mais qu'un autre casque
fonctionne avec la plateforme et ils pourront jouer à ces jeux-là. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que hier, je crois que c'était hier, est tombé en ligne un petit génie a réussi à faire en sorte que les jeux conçus spécialement pour l'Oculus tournent sur le Vive. Donc on peut imaginer qu'à terme, des petits bricoleurs vont faire que l'un et l'autre arrivent à fonctionner de manière bien interopérable. Et c'est des technos assez proches donc, l'une et l'autre. Il y a effectivement des interprétations de langage à faire ou de code. Mais le concept est globalement le même en fait. Oui, voilà, enfin, on va dire dans les grandes lignes, c'est évidemment une hérésie, mais dans les grandes lignes, c'est assez similaire, oui. Ok. Voilà, et donc c'est sur cette plateforme Steam VR qu'on va trouver des jeux achetés, des jeux gratuits ou des démos, parce qu'effectivement pour l'instant il y a encore beaucoup de jeux qui sont là juste en démo. On vous en montrera un tout à l'heure qui est justement une sorte de jeu où on doit buter des espèces de monstres qui s'approchent par vagues. Des zombies là. Ouais, c'est des zombies monstres, on va dire. C'est méchant. David, qu'est-ce que tu nous fais là? Voilà. Tire à l'arc. Qu'est-ce qu'il tu fait Tu tires à l'arc. Oui. Et c'est très très précis, c'est incroyable. Mais ça, c'est vrai, c'est étonnant. T'es plutôt bon, mais t'as eu ton bac de tir à l'arc ou pas? Bah, oui, bah là, j'ai en plus dans mon salon. on a l'impression qu'il a l'habitude. Hein. Ouais, mais carrément. Ouais, en fait, on s'y fait très très vite quand même. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est assez surprenant, c'est très précis. Hein. Les manettes sont précises, la délimitation, le repérage du masque, il n'y a pas de latence, et il y a une extrême précision. Et par rapport... plus que les premières versions qu'on avait pu essayer d'ailleurs. Bah, ils ont amélioré la chose, mais alors surtout, on parlait tout à l'heure un petit peu de la concurrence. Pour l'instant, c'est la seule solution qui est des manettes comme celle-là, parce que celles de l'Oculus vont arriver plus tard dans l'année. Ils l'ont annoncé peu de temps avant le lancement du casque en disant désolé, si vous allez précommander, bah, vous les aurez plus tard. Et c'est vrai que ça participe énormément à l'immersion. Parce qu'on n'a pas un pad Xbox dans les mains avec des boutons, même si certains jeux ne sont jouables qu'avec le Steam Controller, enfin avec une manette ou le Steam Controller. Moi je dirais même que au-delà de la... Alors c'est quoi le Steam Controller ? Le Steam Controller, c'est ce que Valve avait développé pour ses Steam Machines, c'est-à-dire ses PC consoles de salon. Regarde, tu peux le montrer à la caméra qui est derrière toi, Pierre. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, on retrouve un peu le pad tactile. En fait, ils ont un peu réinventé la manette de console pour dire que justement, il fallait avec la manette être capable de jouer aussi à des FPS par exemple, c'est-à-dire à des jeux de tir où généralement on joue plutôt au clavier et à la souris. Donc c'était pour dire aux joueurs sur PC, regardez les lapins, vous avez une manette qui vous permet de jouer comme avec un clavier et une souris. Alors c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a, y a un problème. Il y a une des technos qu'on retrouve effectivement dans les manettes du Vive. Il y a un problème très concret qui se pose. Là, on voit bien que David qui joue est debout, mais du coup il n'avance pas. Non, hein, parce que par exemple là, si je quand par exemple si, quand j'ai un ennemi qui est en bas, voilà, je peux m'avancer. Attention de ne pas tomber. Voir, oh là là. Ne tombe pas. Et je suis au bord de. Oui, tu peux faire. À tout moment dans le jeu, en fait, j'ai une sorte de barrière virtuelle là, que je ne sais pas si on la voit, mais là, on la voit pas. Ouais, en fait, y a, quand on est dans le casque, on voit une sorte de grille verte. Voilà. Qui dit, attention, vous allez dépasser la zone que vous avez délimitée au moment de la configuration. Et alors généralement, si on a plein d'espace comme ici, on en a assez, on n'a pas un mur tout de suite, mais ça peut être un mur ou le Vasming de mamie. Mais on est d'accord qu'il va avancer d'un pas ou deux seulement, alors que dans un FPS, on parcourt des kilomètres. Ouais. Donc comment on fait ? Mais en fait, moi je voulais juste je voulais juste revenir sur ces manettes dont on parlait. Oui. Pour moi c'est ça en fait, c'est ces manettes qui sont peut-être le truc le plus impressionnant. Parce qu'on avait déjà vu plein de casques de réalité virtuelle. Alors. Moi par contre, tout le monde a essayé la Wii ici. On se rappelle très bien de la Wii et ses tentatives pour nous faire jouer avec les mains, à générer des jeux avec le mouvement. Mm-hmm. Là pour moi c'est la première fois où on a vraiment un système performant, utile et immédiatement ergonomique qui nous permettent d'utiliser simplement nos mains pour jouer. J'avais jamais vu un truc pareil. Et pour moi, la dernière expérience, ça... c'est l'iPhone en fait. Ouais. L'interface avec le doigt, tout de suite, naturellement, on comprenait ce qu'il fallait faire. Et là, tout de suite, on comprend. Vous avez vraiment l'impression avec ces manettes, quand vous les avez en main, d'avoir l'objet virtuel dans le jeu. Par exemple, si vous avez un revolver en main, vous pouvez le prendre dans tous les sens, il va tourner dans tous les sens, et c'est assez exceptionnel, ça, c'est vraiment génial. Et ce qui est génial aussi, c'est que là, on prend en main, on parle d'intuitivité immédiate, on joue immédiatement.
ce qui est génial, c'est de se dire qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui se repose sur les codes des manettes qu'on connaît déjà, mais qu'ils ont réussi aussi à déjà structurer des habitudes. Parce qu'en fait, on retrouve les habitudes de joueurs et en même temps, il y a de l'innovation. Et en fait, ils ont fédéré les habitudes qu'on a prises avec la Wiimote, le tactile, les petits pavés tactiles qu'on a tous les jours avec nos smartphones, le côté des capteurs d'orientation dans l'espace, etc. Ils ont réussi à fédérer tout ça pour donner une expérience de jeu ou une expérience d'interaction qui est totalement naturelle. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça vient juste d'arriver. Parce que les premiers prototypes, c'était en 2014. Ouais. Hein, c'est pas ça. Si vieux que ça. Il a été dévoilé en mars 2015, mais les premiers prototypes, c'est 2014. Donc c'est vraiment à grands pas. C'est les développeurs qui vont faire la réussite de ce système. Vrai. Et par contre, la question de Jérôme est extrêmement légitime. C'est-à-dire merci que... Eric. Mais on ne le répondra pas. Mais c'est vrai qu'on se dit comment on fait pour jouer à un FPS avec ses manettes. Mais oui. Parce qu'il y a effectivement, mais ça c'est un. Bon, on reviendra peut-être plus tard sur les limitations d'un système parce qu'il y en a aussi. Donc la réponse c'est qu'on ne peut pas pour l'instant ou c'est si avec la manette. Alors, on peut le faire, d'accord. Bon, il faut. En fait, il y a des. C'est là qu'effectivement, tu disais c'est les développeurs qui vont faire le succès, c'est qu'il va falloir réinventer des manières de se déplacer dans ces jeux-là. Alors, il y a des solutions matérielles où on court sur place, mais on se retrouve en sort au bout de 5 minutes, qui coûtent cher et qui prennent de la place, mais qui existent. On en a vu à l'E3 avec notre petit camarade JD qui est à la Real l'année dernière. On voyait des types qui faisaient des démonstrations et ils faisaient 5 heures de footing sur place, à courir sur place, à jouer à un FPS. Donc ça existe. Mm-hmm. Mais il y a aussi dans le jeu des moyens de, entre guillemets, se déplacer. Alors soit on se déplace avec les petits pads sur la manette, soit on se téléporte. On a un jeu d'aventure qui est assez sympa, où on se retrouve dans une espèce d'univers médiéval fantastique dans un château et on se téléporte par petits bonds. Donc on peut aussi imaginer se déplacer comme ça. Vous savez quoi, moi j'ai envie de téléporter François Sorel là. Tout téléportons suite. François. Bon, allez, montre-nous ce que tu Beam sais me faire. Up. Ouais, et je vais me faire le bureau virtuel. Oui, ça c'est excellent. C'est un super jeu, c'est très amusant, vous allez voir les images. C'est un jeu qui s'appelle Job Simulator et qui est un des jeux, on va dire, les plus qui ont fait le plus de buzz sur Internet. Avant de voir les images de ce jeu, peut-être on pourrait dire un mot de la config nécessaire. Hein, parce que donc on achète le casque 900€ et il faut derrière un PC ultra musclé. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un PC. Ultra musclé, non. Musclé. Il faut un PC de gamer qui tienne la route. D'accord. En fait, le minimum pour la carte graphique, parce que c'est principalement la carte graphique qui va tirer la tronche. non, mais c'est vrai. Hein. Il faut une AMD R9 290. Alors, sachant qu'il y a trois critères dans le monde de la VR, souvent, alors qu'il y a... Ça marche pas du tout. Ouais. Il y a compatible, donc là vous aurez une expérience, mais elle sera pas géniale. Et puis il y a VR ready, donc prêt pour la réalité virtuelle. D'accord. Et la 290 arrive... On va dire, elle est dans le VR ready, mais pas de beaucoup. Quoi. Donc, quel prix, la VR ready, la AMD 290, R9 290, et il y a aussi la GTX 970 de Nvidia, et ces deux-là se trouvent dans les prix, c'est une fourchette entre 300 et 450€, quoi, on va dire. Et grosso modo, si je mets... Chez un assembleur ou un truc comme ça, avec une machine à 1000€, on s'en tire. On devrait pouvoir s'en sortir. Ou simplement en changeant, si vous avez déjà un PC au format tour, en changeant sa carte graphique, on peut s'en sortir. Il faut minimum 4Go de RAM. Ouais. Donc là, depuis que les... Alors, vas-y, prends ta petite cartouche là sur le côté. Est-ce que tu as mis le micro? Sinon, on va pas t'entendre. Ouais, j'ai mis le micro, ça devrait être bon. Je sais pas si JD, c'est bon. Alors... C'est mieux si tu le mets au milieu. Ouais, mais au milieu, ça va être compliqué là. Bon, attends, je rapproche un peu. Là, on est totally live, les amis. Hein. Bon. Donc, le... J'y vais, je prends la cartouche. Il faut effectivement assez de RAM, mais avec les Windows 64 bits, 4Go de RAM, c'est un peu le minimum maintenant. Tire la chevillette et la bobinette chira, normalement. Pour éviter de l'envoyer dans la tête de quelqu'un. C'est vrai que c'est comme sur la Wii, on veut passer la Dragon. Voilà. Alors ça c'est donc il est dans un bureau virtuel, c'est le cas de le dire. Oui. Ah, c'est une ambiance un peu cartoon quoi. Bon, quand on dit réalité virtuelle, ça fait quand même pas très réel. Non, on n'est pas. Alors, il faut bien se dire qu'on parlait de la puissance de la carte graphique. La carte graphique, elle a géré des images. Qu'est-ce qu'il fait ? Et pendant ce temps, François Sorel va photocopier des balles de tennis. Oui, alors, attendez. La carte graphique, elle doit fournir de l'image en 1080 par 1200 sur deux yeux. D'accord, ah oui. Avec 90 images par seconde. Pour qu'on n'ait pas l'impression, justement pour éviter le ça flicker un peu, d'accord. On a envie de vomir, etc. Donc les graphiques pour l'instant peuvent être jolis, mais on n'a pas les mêmes graphismes que sur un jeu où on a juste un affichage plat 2D à afficher. On a une question de Léon sur Twitter qui nous demande si ça peut fonctionner sur Mac. Non, pas pour l'instant.
Mais pourquoi pas, parce qu'effectivement... Et avec une machine virtuelle. Windows sur Mac. Parce que pour l'instant... Alors déjà, il faudrait qu'il y ait des Mac avec les bonnes cartes graphiques. Je me régale. Donc ça, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a un truc bizarre qui est arrivé là. Ça t'a gratté ? C'est ta secrétaire. Non, c'est comme une espèce de truc étrange. De monstre. Il faut tamponner. Ah ben je tamponne. Ah mais il faut que je tamponne quelque chose. Alors attendez, qu'est-ce que je peux tamponner ? Je suis un peu stressé là. On a perdu, je crois. Non, est-ce que je peux, tamponner un mug, par exemple ? Fais attention parce que tu n'es plus qu'à un mètre de la fenêtre, elle est ouverte. Ah, ça va, bon, ça marche pas. Alors moi j'ai joué à ce jeu hier et j'ai failli tomber parce qu'il y a le petit muret là, sur lequel on est tenté de s'appuyer, sauf qu'évidemment il n'existe pas en vrai et du coup on peut basculer en avant. Mais regardez, je peux faire un truc, hein. Je peux par exemple aller décrocher au téléphone, ouais Jérôme, non je suis pas là, je passe sous un tunnel, hop là, je peux mettre en route un PC, regardez, là ça c'est l'unité centrale. Là, c'est l'écran, hop, j'allume les deux, là, et voilà. C'est génial. C'est là qu'on voit, ça illustre parfaitement la précision des manettes, c'est avec ce jeu-là qu'on s'en rend compte très vite, même si c'est un petit peu débile ce que fait François concrètement, parce que là, il y a le clavier à deux touches, etc. Non, faut pas dire ça, tu vas vexer, tu vas l'énerver. Mais non, pas du tout, voilà, pas du tout, il n'y a pas de son mot de passe. François, ton mot de passe est affiché sur l'écran. Alors, je l'ai mis, j'ai mis 101, mais comment je fais, login, comment ? Avec la souris, comment tu fais ? Hein, alors ? Et voilà, ça y est, je me suis logué. Bon, le code 101, on se croirait sur, c'est pas terrible. Sur TD5 Monde. Hein, quand même, hein. Moi, je veux pas être mauvaise langue, mais c'est pas terrible. Hop là, vous voulez que je vous fasse un petit café, les amis ? Allez, on y va, ouais, c'est parti. Donc là, j'appuie, tac, et je me fais un petit café. Ouais. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que je peux le boire. Voilà. Et tu as des collègues de bureau ? Alors non, je vois. Alors j'ai une espèce de... Ce sont des robots. Mais je crois que c'est la pause, non ? C'est l'heure de la pause. Jette-leur un truc pour voir si ça réagit. Je vois, mais il n'y a personne, je suis tout seul en fait. C'est dingue ça. Mais il y a ce truc qui me gêne là, je ne sais pas comment je peux l'enlever. Alors il y a Caribou qui nous dit oui c'est marrant une heure mais après franchement l'intérêt est trop limité. C'est vraiment des jeux qui sont effectivement comme du temps de la Wii, on avait plein de jeux qui étaient des sortes de gimmicks et justement c'est ce que disait Eric tout à l'heure, il va falloir dépasser ce stade à un moment. Et il y a des jeux qui commencent à montrer des belles promesses, où on commence à avoir des vrais éléments de gameplay riches qui tirent parti de la manette, qui tirent parti du casque, de l'immersion. Ça vient peu à peu, mais même s'il y a une belle offre de jeux déjà, le jeu vidéo de demain, il sera 100% réalité virtuelle ou alors il sera un mix avec du jeu classique. Ça dépend si c'est demain ou après-demain. Je pense surtout qu'il y aura des jeux en réalité virtuelle, des jeux classiques comme aujourd'hui, de plus en plus beaux, certes, mais effectivement pour l'instant, c'est les jeux qu'on a pu essayer de manière générale sont des petits jeux, ce ne sont pas des jeux, c'est pas du GTA, vous pouvez passer 60 heures dessus, jour et nuit. Non, ce sont des petits jeux qui sont en fait des formes d'expérience, mais ça ne veut pas dire en fait qu'on s'en lasse. C'est différent pour moi des jeux, par exemple, qu'on avait sur la Wii au début, en 2006, où en fait on se rend vite compte des limitations du truc et on s'arrête. Là, en fait, ménage dans mon bureau, excuse-moi Eric, hein, mais là je te fais un carnage là. C'est bien, il faut se lâcher un peu. C'est cool. Ça montre en fait, c'est surtout des démos techniques, mais quand on voit quelque chose comme Job Simulator, et ce qu'on peut faire avec, c'est juste assez exceptionnel. Et on peut vous assurer qu'il y a des gens ici qui n'arrêtent pas de venir jouer à ce casque. Alors ah bah oui, c'est devenu une salle de jeu hein, ici. Voilà, donc ça ne les lasse pas vraiment. C'est vrai que par contre, payer 900 € pour... aujourd'hui, pour l'offre logicielle qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu cher. Ouais. Je peux dire juste un truc, parce que y a un truc incroyable, c'est que je vous entends, donc je vous vois pas, mais dans la configuration dans laquelle je suis, j'ai l'impression que vous êtes dans un bureau, juste derrière. Mais on est dans un bureau juste derrière. Mais c'est incroyable. Et en plus, ce que je voulais que JD et Pierre montrent, c'est la réactivité des mains, parce que, donc vous voyez, là, j'ai mes mains qui s'affichent, et quand j'appuie, c'est véritablement... je tourne les poignets, c'est hyper réaliste, il n'y a pas de temps d'attente, c'est incroyable. Cette balle, je peux véritablement viser... mais viser quand même. Ben voilà, mais en fait, voilà, t'as une perception de la visée, tu pourrais faire, tu pourrais jouer en hand, etc., ou au basket sans aucun problème, quoi. Ça marche, donc c'est impressionnant. Mais d'ailleurs, il y a des jeux un peu sportifs. Le jeu que j'ai essayé tout à l'heure, où on a des boucliers et on doit renvoyer des boules en fonction de la musique qu'on entend, on peut finir relativement en sueur, je pense. Hein. Moi, pour l'avoir essayé pendant une petite vingtaine de minutes, j'avais chaud quand même. Hein. Sur Twitter, Yoni nous demande si on peut imaginer un jeu comme FIFA demain en réalité virtuelle.
Alors, mettre les capteurs alors ça, voilà, ça demanderait des capteurs au pied, ça demanderait d'avoir vraiment de l'espace, ça demanderait aussi d'avoir... Il y a des systèmes, hein, y avait déjà des systèmes avec des ballons qu'on frappait, et qui, parce qu'ils frappaient dans le vide. Bah moment, oui, parce que c'est quand même quoi. La dernière quand même, chose qui manque, c'est qu'il n'y a pas de retour de force. Y a un petit, on a un petit retour à des petites vibrations, dans les manettes. Oui, mais bon. on ne peut pas dire qu'on a une sensation complète de toucher. Non, donc avec un jeu de foot, je pense que ça ne sera pas pour. Tandis François Sorel passe et repasse devant la caméra. Alors que revoilà la sous-préfète. On est en live, les amis. Tiens, c'est pas pour FIFA 2017 ou 2018. Quoi. C'est génial. Franchement, c'est top. Comment tu te sens là? Comment tu te sens? Alors, sincèrement, je me sens un petit peu nauséeux. Sincèrement, je vous le dis. Moi, j'ai eu la même chose. Je me sens un petit peu nauséeux, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait, je sais pas moi, 10 minutes de voiture dans des tournants, quoi. Vous voyez, tu viens juste de détruire un bureau entier, c'est normal. J'ai détruit un bureau entier. C'est pas faux. Mais parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous demandent justement sur Twitter, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est fatigant? Alors, je pense que c'est tout dépend des individus. Ouais. Il y a des gens qui sont... Moi, je sais que je suis très sensible au mal des transports. Mais voilà, mais c'est scientifiquement prouvé. Hein, voilà, certaines personnes sont plus ou moins sensibles. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, pour avoir... pas mal testé des versions d'Oculus, alors pas la dernière, donc allez, moi je vais essayer aussi. Sur la dernière version, mais sur les dernières versions d'Oculus, j'avais ces problèmes de nausée que je n'ai pas eu du tout avec le HTC Vive, mais je ne les ai pas eu. Je pense aussi que c'est très différent de faire un jeu où physiquement vraiment vous bougez, vous êtes debout, vous prenez votre arc virtuel, vous vous déplacez dans un espace et simplement être assis, porter un masque et voilà, être dans toutes les directions avec un vaisseau qui éventuellement accélère, etc. C'est très différent, je pense, comme expérience. En fait, ouais, effectivement, moi, il y a beaucoup de jeux, j'ai testé quand même pas mal de jeux ces derniers jours, il y a beaucoup de jeux où on a on se déplace un tout petit peu à minima dans l'espace, on se téléporte un petit peu, et dans ces cas-là, on n'a pas du tout, enfin, personnellement, j'ai jamais eu envie de vomir ou quoi que ce soit, je me suis senti très bien, même après plusieurs heures avec le, à part avoir eu chaud, parce que le casque tient chaud. C'est vrai, ça fait un peu sauna au niveau du voilà, des yeux. C'est un peu régime minceur pour les paupières. Ouais. C'est ça. Et donc, à part la chaleur, on se sent bien. En revanche, dès qu'on a des jeux où on va se déplacer, par exemple, il y a un jeu, c'est la renaissance d'une vieille légende de jeu vidéo Descent, où on est dans un vaisseau spatial qui bouge dans tous les sens, en 3D, qui plonge, etc. Et là... déjà sur PC en 2D, on pouvait être sujet un petit peu à envie de vomir. Là, ça devient infernal, quoi. Mais typiquement, quand on le compare au Gear VR, le Gear VR, lui, me donne encore plus ce mal de mer. Parce que je pense qu'il y a un temps d'attente qui n'est pas aussi excellent. Parce que c'est le temps d'attente Il n'y a pas la même puissance. Il n'y a pas la même puissance. C'est pas comparable, c'est comme comparer, alors on va, je vais être méchant, mais une mobilette et un deux roues de bas de gamme et une voiture, quoi. Une bonne voiture. C'est un moyen de transport, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais. Jérôme Colombin, donc, est maintenant en train d'essayer de... L'artiste de la famille. C'est le grand artiste des Zero and Net. C'est mon côté artistique qui va prendre le dessus et je vais vous montrer une appli qui est assez étonnante. Je sais qu'Eric en est fan également. Ouais. C'est une appli qui permet de dessiner ou de peindre en 3D. Et là, je vais partir d'une forme qui existe déjà, en fait, qui est un très joli bonhomme de neige, et que je vais habiller à ma manière. Alors d'abord en choisissant, par exemple, des couleurs. Ouais. Et je peux véritablement dessiner sur le bonhomme de neige. Et ce qui est fascinant, c'est que on passe de la 2D à la 3D. Donc là, vous voyez une image à plat, mais regardez, moi, je vais lui faire des cheveux. Et les cheveux, je suis sous les cheveux, par exemple. Ah oui. C'est ça qui est génial. Tu lui fais des cheveux verts. Je lui fais des cheveux verts, oui, toujours. Voilà. Si tu pouvais m'en faire un peu, des cheveux à moi, ça serait pas mal. Cette appli est intéressante. C'est un des rares logiciels et non-jeux qui sont disponibles pour le Vive. C'est un truc qui est fait par Google, qui n'a pas été conçu par Google, mais quand les gens de Google l'ont vu, ils ont fait « Ok, on rachète ça ». Donc ils ont racheté l'équipe qui a fait ce logiciel, qui est effectivement un logiciel très innovant, et pas juste parce qu'on peut dessiner en 3D, c'est vrai que c'est génial, mais aussi parce que en fait, il montre pourquoi pas ce que pourrait être une interface vraiment pratique à utiliser, une interface utilisateur en réalité virtuelle. C'est hyper simple à utiliser et c'est vrai. Voilà, Jérôme est en train de le faire, il est en train de modifier une palette, hein, c'est une sorte de Photoshop. C'est très intuitif. Qui est extrêmement intuitive et extrêmement réactive. Mais toi, penses que c'est une interface du futur? En tout cas, on a essayé pas mal à la rédaction d'interfaces gestuelles. On a essayé beaucoup. J'en ai essayé beaucoup. Il n'y en a jamais une seule qui m'a vraiment convaincu. Et
depuis que j'ai testé ce logiciel, je me dis, ouais, c'est peut-être pas si débile en fait les interfaces gestuelles. Et d'autant plus que, alors c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du besoin du grand public, mais il y a depuis des années, enfin depuis qu'on parle de réalité virtuelle, dans le domaine pro chez Dassault Systèmes, etc., ils travaillent sur les rendus en 3D, la réalité virtuelle, la possibilité de concevoir des objets très compliqués ou de les visiter de manière virtuelle. Et ces interfaces qui peuvent être finalement très faciles à prendre en main, peuvent ouvrir des horizons complètement nouveaux pour la conception de produits, pour la conception d'environnement, des bâtiments, des maisons, etc. Là, c'est intéressant parce qu'effectivement, la réalité virtuelle, c'est pas juste jouer à un jeu de tennis ou tirer à l'arc dans son salon en rigolant, ça peut être avoir une implication sur l'économie et l'évolution de la technologie dans les décennies à venir. Quoi. C'est en revanche, il faut avoir des compétences artistiques parce qu'autrement, on fait ce que fait Jérôme. C'est-à-dire qu'on se prend pour un gestuel. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire, mais il est en train de me bousiller une planète, mais en toute tranquillité. Il lui fait des cheveux. Il fait des cheveux. Il faut sauver la planète. Voilà, c'est ça. Jérôme, éventuellement, peut aussi montrer ce qu'on fait de vrais artistes. Parce qu'il y a effectivement toute une galerie. Jérôme n'est pas un vrai artiste. Non, je suis désolé, Jérôme. Jérôme, on a une question. Est-ce que le masque est confortable? C'est pas mal, oui. Et là, en plus, tu vois, j'ai mes lunettes de vue. Alors voilà, moi, tu vois, je les ai enlevées. Non, moi, tu les as gardées. Je les ai gardées, oui, tout à fait. Franchement, ça passe. C'est pour ça que c'était un peu... Alors, sachant qu'il faut préciser contrairement à l'Oculus, on peut régler l'écartement entre les deux yeux et la profondeur des lentilles. La profondeur des lentilles. C'était là, Jérôme. Ça permet un plus grand confort et ça permet aussi de réduire cette sensation éventuelle d'écœurement. D'accord. Mais en revanche, il y a une chose que ça ne règle pas, et ça, c'est quelque chose qu'on espère voir régler dans la prochaine génération, c'est qu'on voit quand même bien les pixels des écrans, même si c'est des écrans OLED de bonne qualité. Imaginons qu'un jour on ait des écrans 4K là-dessus. C'est complètement faisable techniquement, Pierre. Ça va le devenir. Enfin, ça va arriver. On imagine que c'est la prochaine étape. Non, on sait que Sony a sorti un écran, un smartphone 4K. Il suffirait d'avoir deux petits écrans comme ça. Là-dedans et on sera encore plus plongé en fait dans l'image, mais le problème c'est que derrière il faut encore plus de puissance graphique. Il faut la puissance d'affichage, il faut faire attention à ce que la latence n'augmente pas, parce que si la latence augmente, l'envie de vomir va monter en flèche aussi. Voilà, c'est ça. Il y a plein de... On se dit, ouais, regarde ce que je t'ai fait là, un dragon qui crache du feu. Pas mal. Ah ouais. Ah oui. Oh, c'est pas moi. En fait, c'est la timidité quand on te regarde, tu t'oses pas quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, je vais pas faire du plagiat, c'est pas moi justement, c'est un artiste qui a fait ça et je viens de charger son image. Mais alors, tu peux te balader dans l'œuvre là? Ah oui, en fait, bien sûr. Ouais, regarde, je peux m'approcher de la tête du dragon. Ah oui. Attention qu'il te morde pas. Ouais. Ouh, c'est chaud. Et c'est vrai que c'est pour toi, Eric, c'est l'une des applications les plus impressionnantes aujourd'hui. Moi, je suis pas du tout un artiste. Hein, je suis un peu comme Jérôme, mais je ne pourrais pas faire ce que font ces gens avec cette application. Moi, ce que je trouve génial, c'est que d'une part, cette interface est juste exceptionnelle. Vous avez l'impression juste d'avoir une palette dans une main, une palette d'artiste, et de l'autre d'avoir le pinceau. Ah ouais. Et ça, c'est juste quelque chose que j'avais jamais vu, pour moi, c'était une vraie première, quoi. Et l'autre chose, c'est que ça montre qu'effectivement, comme on le disait, la réalité virtuelle, ce ne sera pas que des jeux vidéo, ce sera aussi plein d'autres choses, et à commencer par des outils de création. Exactement. Caribou sur le Twitter qui nous demande, selon les rumeurs, la réalité virtuelle est limitée à 15 minutes par heure. Est-ce que c'est une rumeur ou pas? J'étais pas au courant de la rumeur, donc j'ai fait une heure sur une heure et je suis là. C'est une recommandation en tout cas. Parce que moi, il se trouve que dans De quoi je me mêle, j'ai interviewé l'un des patrons de Sony Computer Entertainment qui s'apprête à sortir donc le PlayStation VR. Et Sony stipule dans les conditions d'utilisation qu'il faut jouer 15 minutes par heure, pas plus. De même que Nintendo disait pas plus de 15 minutes de 3D sur sa 3DS quand ils l'ont lancé, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop, parce qu'effectivement, il peut y avoir c'est plus des recommandations. C'est comme l'interdiction des médicaments aux femmes enceintes. Quoi. C'est ça. Enfin, certains médicaments, oui, mais pas pour les femmes. Oui, mais enfin, on interdit quasiment tous les médicaments, et en fait, c'est il y a effectivement cette prudence, parce que si tout le monde joue, je sais pas, une heure, deux heures, trois heures, et puis se retrouve, commence à saigner des yeux et des oreilles, il risque d'avoir une petite classe action derrière. Donc, on prend des précautions. Quoi. Donc, tu veux dire par là que si on commence à saigner des yeux et des oreilles, il faut faire une pause. Ouais, on fait une petite pause. Une petite pause tranquille. On dort deux, trois jours, et c'est bon. Et ça va. David va faire quoi là? Tu vas nous faire quoi, David? Ah, tu vas créer comme Jérôme?
Oui, parce qu'on peut depuis le casque, et ça c'est intéressant aussi, on voit toujours Tiltbrush, mais on peut très bien naviguer dans l'interface, lancer un autre jeu depuis le casque, on peut même accéder au bureau Windows. Et on peut regarder ses mails. On peut regarder ses mails depuis le casque. Est-ce qu'on peut regarder un film sur Twitter ou faire demander ça? En fait, on accède à Windows, donc on fait ce qu'on veut dans Windows. Le seul problème, et là c'est là qu'on perd un petit peu en qualité, c'est que généralement on a quand même de très bons écrans maintenant, alors que, comme on le disait, on a des écrans où on voit bien les pixels, donc ça pique un peu. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une ambiance salle de cinéma. J'imagine qu'il y a des choses qui existent comme ça. Oui, il y a un espace où Mais ça n'a pas trop de sens finalement, c'est ça, ça n'a pas trop de sens de se regarder un film comme ça. Pour moi, non. D'accord. Je préfère, surtout, enfin après, si on préfère se le regarder tout seul dans son coin et puis que la qualité de l'écran ne gêne pas, pourquoi pas. Mais c'est un peu dommage. David, tu vas nous montrer la baleine ? En fait, je découvre là. Ah bah voilà. Alors voilà, là c'est une démo qui existe depuis le tout début. Ouais. En fait, j'ai acheté ces vagues. Franchement, elle a plus d'un an, hein, parce que en fait, nous, on le teste depuis un moment. Mais c'est l'une des plus impressionnantes, je trouve. Regardez, donc là, David est sur son bateau. Je peux nager, je peux faire. Ton bateau n'est pas en forme. Je pense qu'il est un peu coulé, mine de rien. Du coup, j'ai oublié mon masque et ma bouteille. Mais c'est pas grave, tu respires sans aucun souci, visiblement. Et là, on voit, regardez, les fonds sous-marins, il peut se balader sur le bateau, etc. Alors, tout à l'heure, on avait une question sur le confort. On l'a pesé, le masque, 668 grammes. Hein, 668 grammes. Alors les derniers grammes ne sont pas forcément super précis parce que vu que on a quand même, et ça c'est un autre point qui gêne un peu l'immersion, c'est les câbles. Donc le fait qu'on ait plus ou moins de câbles va changer le poids, mais c'est effectivement, on va dire 670 grammes, 660 grammes, c'est quand même assez lourd même si on le porte bien sur la tête. En revanche, quand on a des jeux où on va se pencher en avant, on le sent vraiment, c'est un petit peu gênant. Donc si c'est pareil de prochaine génération, si vous pouviez amincir le tout, ça serait pas mal. Et là donc tu es en train de caresser la baleine, c'est ça? Oui, elle est tout près. Hein. C'est impressionnant, tu as vraiment la sensation d'y être, David. Là, je suis tout prêt. Hein. Effectivement, faudrait pas qu'elle tende la... Passe-moi un verre d'eau, je vais lui faire croire. J'ai plus de l'eau à la figure. C'est la baleine. Ça a déjà été fait. Est-ce que le masque est étanche, question Twitter? Je prendrai pas le risque, je pense que non. Il y a une question, j'ai vu. Après, il va falloir qu'on s'arrête, hein, parce que sinon, on va y passer la nuit. Il faut qu'on parle quand même du prix aussi. Oui, on l'a évoqué. C'est un gadget quand même. Une question qui... Est-ce qu'on peut voir ses amis? Alors non, on peut voir personne d'autre. Et je trouve que c'est un peu une limitation. Alors, on peut voir, il y a une petite caméra, on peut voir ce que voit la caméra. Grosso modo, on voit la réalité dans la réalité virtuelle. C'est une mise en abîme, il faut s'y habituer un petit peu. Mais effectivement, on ne voit pas... Mais qu'on active sur commande, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut voir l'avant du masque. En bas, il y a une petite caméra. Voilà. D'accord. Voilà, qui permet, quand on l'active, de filmer ce qu'on voit, quoi. Et dans ce cas-là, on verrait si on n'avait pas le masque. Oui, mais ça va lui masquer l'univers dans lequel il était. Ah bah, il verra la réalité dans la réalité virtuelle. Non, mais ce qui serait agréable, ce serait... Et là, on devient fou. Mais là, c'est généralement, au bout de 2-3 mises en abîme, on peut les... Mais par exemple, si on branche deux masques, il n'y a pas aujourd'hui la possibilité de brancher deux masques. Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, c'est pas... Mais attention, ça, c'est quelque chose que... Ça viendra. Alors, dans le cas d'HTC et de Valve, c'est pas leur mission première, mais on rappelle qu'Oculus, c'est quand même Facebook derrière. Et que pour Facebook, justement, la réalité virtuelle sociale, le fait de pouvoir socialiser avec ses masques, de pouvoir discuter avec des amis qui se trouvent à 5000 km comme si c'était dans la même pièce, ça fait partie des missions numéro 1. Donc là, il y aura des expériences sociales avec des masques virtuels. Imaginez les visioconférences. Et d'ailleurs, ça ouvre aussi... Moi, j'imagine plein de choses. Hein. Ça ouvre aussi une autre piste, c'est que, il n'y a pas longtemps, enfin en ce moment, il y a la conférence des développeurs de Facebook, ils ont dévoilé une caméra pour filmer des vidéos en 360, en réalité virtuelle 360 degrés. Effectivement, la réalité virtuelle, ça sera aussi, quand les caméras seront prêtes, donc là, a priori, c'était un élément assez probant qui coûte quand même 30 000 euros, mais bon. Voilà. 30 000 euros. Ouais, une paille, mais c'est bon, voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est évident. En revanche, effectivement, c'est une autre voie de la réalité virtuelle, c'est la consommation de contenu vidéo, et ça va venir. Alors, est-ce que ça deviendra mainstream? Ça, c'est difficile à dire. Mais ça va venir aussi. Il y aura donc la création, la productivité, le jeu et la consultation de vidéos et de contenu vidéo. La question orange, et puis après, on va s'intéresser au prix quand même, parce que c'est important de savoir combien coûte tout ce système. Question orange, pensez-vous acheter un masque de réalité virtuelle? C'est le sondage du jour. La réponse, c'est non à 69%. Non, 69%. Oui, à 31%. Oui. Voilà. Alors, ça peut se comprendre. C'est assez dur de leur donner tort, en fait. Parce que c'est effectivement génial.
C'est effectivement incroyable, on en redemande, mais on peut aussi s'empêcher de dire, même si, alors que le HTC Vive est le plus abouti, le plus avancé qu'on ait vu pour l'instant, on peut s'empêcher de dire, de penser que c'est pas encore ça pour le grand public, que c'est encore effectivement... On est à l'orée de quelque chose. Voilà, on est au début de quelque chose. Sans doute révolutionnaire, hein, Eric. Voilà. Mais qui manque quoi? Il manque quoi, la killer app? Il manque... Il manque des jeux, déjà, clairement, pour je parle de jeux, comment on dit, AAA, des vraiment des gros jeux qui feront que, voilà, vous avez envie de... En général, ça marche comme ça, hein, les jeux vidéo. Vous achetez un matériel parce que vous avez envie d'acheter de jouer à un jeu. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a plein de démos super sympas, mais ça justifie pas, à mon sens, le prix du masque. Et puis, parce il faut améliorer le form factor, enfin, le facteur de forme, c'est-à-dire oui, le poids. Oui, et puis on en est au tout début. C'est dans zéro, c'est-à-dire, regardez, il y a des caps partout, il faut des capteurs dans la maison, il faut... Alors, on va parler du prix quand même. Combien ça coûte tout ça? Alors, on y va. On l'a déjà dit tout à l'heure, le casque il est en train de casser les briques, manettes, donc il a pas entendu. C'est 899 €. D'accord. Donc on va dire 900. On va revenir. Ouais. Et puis derrière, il faut une machine, à 1 000 €, on doit avoir une machine qui tienne la route. Donc, on fait une facture, allez, en arrondi. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, 2 000 €. Voilà. D'accord, 2 000 € pour jouer. On peut descendre en optimisant, en cherchant bien, on peut descendre, faire baisser la facture. Mais est-ce qu'on peut imaginer demain avoir assez de puissance de calcul, par exemple, dans un smartphone, avec un écran 4K et un système à la Oculus Rift, on va dire, plus avancé pour avoir la même expérience, mais en miniature? Ça peut arriver, ça ? En tout cas, c'est un peu l'idée de Google. On sait que Google travaille lui aussi sur un casque de réalité virtuelle, qu'il veut être autonome. Donc autonome, ça veut dire pas connecté à un ordinateur, vous pourriez le porter n'importe quand, n'importe comment, sans avoir un câble qui... Et avec des technologies qu'il est en train de mettre en place, notamment on peut parler ici du projet Tango. Le projet Tango, c'est quelque chose qui permet au smartphone de se repérer dans l'espace. Oui. Et typiquement, ce genre... Voilà, et de modéliser l'espace. Et typiquement, ce genre de technologie pourrait permettre à un smartphone demain de remplacer finalement ce qu'on a avec ces capteurs. C'est pas encore pour tout de suite, mais oui, clairement, on pourra avoir ce genre de technologie sur des devices beaucoup plus petits demain ou après-demain, oui. Parfait, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'on a encore plein de démos à vous montrer. Franchement, on vous fait partager notre enthousiasme concernant ce... C'est vrai que c'est un truc un peu mutant, quoi. On sait pas trop... On sait que c'est... On sent qu'il y a du potentiel, mais il nous manque encore... Drive. Je veux dire, on imagine par exemple, comme derrière il y a Valve, on imagine un Half-Life, on imagine des trucs. Oui. Enfin, voilà. Déjà qu'ils nous sortent Half-Life 3, après voilà, on verra. Allez-y. Okay. Hein, voilà. Et après on verra. Okay. De toute façon, précisons qu'il y a évidemment tous les articles que vous êtes en train de rédiger sur 01net.com, tests, des gros plans sur différents aspects du HTC Vive, et des vidéos bien entendu. Il y a déjà une vidéo en ligne depuis cet après-midi pour découvrir le Tilt Brush, le programme de création graphique qu'on a un peu présenté, et puis d'autres vidéos à venir dans les jours qui viennent, bien entendu. Moi, j'ai la killer, je vous coupe, désolé, j'ai la killer. Oui, David. Voilà, je suis là en train de réparer une voiture, je peux ouvrir la portière de la voiture et aller y accrocher le petit sapin à l'intérieur. David Noguera dans le 01 Drive, le spécial Vive. Le petit dé, voilà. C'est le moment. Là, t'es vraiment dans un 01 Drive spécial. Là, je crois qu'on l'a perdu, c'est bon. On l'a perdu. Et donc, ça coûte 900 €, hein. C'est bien ça. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, le petit sapin. Qu'est-ce que 900 € face à la joie d'un enfant? Pas de sapin déodorant, c'est ça le problème. Je cherche encore le petit chien là sur la plage arrière, mais je crois que ça peut paraître débile quand vous y jouez pas, mais c'est vrai que ce jeu est génial. C'est justement génial parce que c'est complètement débile. Oui, oui, c'est ça. Je vais la reprendre en vert. Bien dit. Hop. Merci bien. David, merci beaucoup. Merci à Pierre Fontaine, à Eric Le Bourlou. Voilà, c'était les premiers ressentis d'un truc génial. Voilà, et n'oubliez pas cette formule, donc c'est génial parce que c'est débile. Et je crois qu'Eric a tout résumé. C'est pourri, donc indispensable, c'est toujours ça. Hein. Bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-David Duarte et à Pierre Thiolin qui assuraient la réalisation technique de ce live. Un petit peu brinque-ballant, mais voilà. Oui, mais c'était pour vous faire partager un peu volontaire. Notre enthousiasme. Le replay, évidemment, de ce 01 Live Hebdo exceptionnel sera disponible dans les minutes qui viennent. Merci de nous suivre. Tiens, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker la page de 01net TV. Voilà, on est pratiquement, on est à 270 000 abonnés. Ça serait bien qu'on arrive aux 300 000 bientôt. Ah oui. Ça serait cool. Donc on compte sur vous. Portez-vous bien. L'actu en vidéo, vous le savez, sur 01net TV, c'est tous les jours. Salut à tous, à très vite. Merci.